Bonjour Joseph. Bonjour Isabelle. On a fait l'expérience de se déplacer dans deux lycées, un lycée professionnel sur Toulouse, à Sainte-Marie de Nevers, pour aller à la rencontre des potentielles personnes qui accompagneront les personnes en situation de handicap, dans l'aide à la personne, et aussi aller à la rencontre des jeunes de la classe étoile au lycée Toulouse-Lautrec, pour parler d'une société inclusive avec les jeunes, comment mieux vivre ensemble. Je crois que ces deux rencontres ont été des moments bouleversants. J'ai, à titre personnel, été secoué. J'ai pu voir la force de ces jeunes, toutes leurs idées, leurs projets. Et j'ai plus d'une fois eu des moments presque perturbants de voir que des jeunes qui n'ont pas même pas 20 ans parfois ont des idées extrêmement claires, précises sur ce qu'on peut faire en matière d'inclusion. Finalement, pour réaliser donc le vivre ensemble ou l'inclusion, il suffirait de presque rien. Et pour nous, ce presque rien serait d'apprendre de ces différences et de ne pas en avoir peur. Il faut plutôt en faire une force plutôt que quelque chose de discriminatoire et d'essayer justement de faire rentrer tout le monde dans un critère de normalité, entre guillemets, parce qu'au final, on pourrait se demander, mais qu'est-ce que la normalité ? Allez, asseyez-vous. On a la chance et l'honneur d'accueillir Joseph Chovanec. La thématique du jour, c'est le vivre ensemble, vous savez. Je vous propose de venir échanger un petit peu avec Joseph. Il y a des petits groupes qui sont constitués par affinité. Tout le monde est différent. Et donc, il faut accepter les différences des autres et les nôtres pour pouvoir vivre en société. Il suffirait, en fait, de ne pas avoir peur de ces différences, mais d'en faire plutôt un atout. Pour moi, l'inclusion, ce sera de vivre ensemble et d'accepter les différences de chacun. Et moi, j'ai un TSA. C'est un trouble du spectre de l'autisme. Et ce qui fait que j'ai des difficultés d'habileté sociale. Du coup, j'ai un peu de mal à comprendre toutes les subtilités du monde merveilleux des ados. Je peux pas porter de poids. C'est pour ça que j'ai un cartable à roulettes. Donc, au lieu de me regarder et me traîner dans la cour avec ma grosse valise et ma démarche d'Australopithèque, on pourrait, l'inclusion pour moi, ce serait de me demander « Noah, tu veux que je te porte ton sac ?» Un truc comme ça. Voilà. Noah, j'ai juste, moi aussi j'ai un TSA. Et en tout cas, vous avez un humour épatant, Noah. Je trouve ça vraiment super. Bravo à vous. Mais j'avais juste une question. C'est quoi pour vous un environnement sain? Un endroit où tout le monde est respecté, tout le monde est accepté. Si vous pouviez nous citer un exemple, par exemple, d'environnement que vous avez fréquenté et qui était très sain à votre avis, qu'est-ce que ça pourrait être? Par exemple, la classe étoile. Et la classe étoile, c'est un milieu d'entraide où justement on est sélectionné pour notre comportement, notre envie d'être avec les autres, d'être avec des personnes qui ayant aussi des difficultés, des différences. Vivre ensemble, il y a ce qu'on appelle l'inclusion. Ça se définit comme créer un environnement où tout le monde est respecté de manière égale. Lorsqu'on a autour de nous des personnes en situation d'handicap ou non, le mieux c'est de les intégrer et qu'ils aient un égal accès aux droits humains et civiques. Et par exemple, dans l'instruction scolaire qui concerne la classe étoile, il y a des pratiques pédagogiques qui permettent à chaque élève d'être garant de sa valorisation et de sa confiance. Enfin, avec un groupe d'élèves, on aide l'association Sésame Autisme. On a déjà fait des marchés, on en a fait un spécialement, on a récolté de l'argent pour les aider. Le soutien, je pense que c'est le principal mot de la classe étoile, on se souvient tous entre nous. Enfin, même s'il y a des divergences entre tout le monde, je pense qu'on est quand même chacun là les uns pour les autres. Au fond, si on regarde bien, on est un peu tous pareils. Vous avez surélevé un exercice pas évident, parce que se présenter à l'oral, devant Joseph, des caméras, cet exercice que vous venez de faire est quand même impressionnant. Et puis je remercie aussi l'école et les parents, parce que finalement, les valeurs que vous avez portées ici, devant nous, ben, c'est des valeurs que vous avez inculquées vos parents, et puis que j'espère vous avez inculqué l'école. Et l'école, on le sait, c'est aussi un endroit où on apprend à vivre ensemble. Merci Joseph, une fois de plus, pour votre présence.
et à une autre femme, sans doute. Au plaisir. Quel mot tu emploierais pour parler de tout ça? Combien de thématiques amènent une telle mobilisation de la part des jeunes générations? Mais je pense que la pluralité humaine, l'inclusion, c'est peut-être ce qui rassemble plus. Hein. Qu'on soit fort en maths ou nul en maths, on se retrouve tout à fait dans cette dynamique-là. Alors Joseph, on est heureux de vous accueillir. C'est la classe de première ASSP 1. Ce sont des élèves qui sont en baccalauréat professionnel, accompagnement, soins et services à la personne. Qu'est-ce que nous, en tant que société, nous proposons pour des personnes comme Anne? Par le monde du handicap, en grande partie, fonctionne comme ça. Vous avez, par exemple, des établissements uniquement pour personnes handicapées. Enfin, vous resterez toute votre vie dans, mettons, tel bâtiment, est-ce que ça vous plairait, quoi? Hein, comment est-ce que vous allez vous épanouir, quoi? Hein, ce sont des vraies et graves questions. Hein. La sieste, bah, il la faisait pas parce qu'il était dérangeant pour les autres enfants qui faisaient la sieste. Ouais. Et il devait dormir tout seul dans le noir, dans un endroit. Des enfants qui sont mis à l'écart. Peut-être que vous allez lever la main. Oui, moi j'ai fait mon premier stage en crèche. Et c'était des moyens, donc ils avaient à peu près un an et demi. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux autres enfants? Comment on peut les sensibiliser? Si on leur dit que ça servira pour les personnes démunies, là ça servirait vraiment à quelque chose et qui pourrait aider les autres. Nos premiers objectifs, c'est de créer des sessions d'apprentissage de la méthode PEC sans EPA. Notre deuxième objectif, c'est favoriser les rencontres et les interactions des personnes isolées. Une façon de marcher assez différente des autres, très robotique, une façon de toucher, de regarder les objets. En fait, elle n'était pas autant active que les autres. Ce schéma-là de ségrégation, alors certes de façon un petit peu retouchée, un peu plus sexy entre guillemets, mais ça existe toujours. Ça passe tellement vite, je suis confus. En tout cas, un tout grand merci à vous. Et puis, je suis sûr que l'inclusion, ça se fait dès le plus jeune âge. Je vous remercie d'avoir choisi ce sujet-là. Merci à Joseph d'être venu. Un grand merci à notre établissement pour aider nos jeunes. Nous sommes vraiment très fiers et très émus également. Human diversity. Quand on voit par exemple l'enthousiasme des jeunes pour leur classe étoile, est-ce qu'on en connaît beaucoup comme ça, des jeunes qui sont tellement fermes partisans de leur classe que... Non. C'est tout à fait étonnant. Quelle est la conclusion? Il suffirait de presque rien qui doit donner le ton.